Salut les loulous, c'est Cécile d'Isola 2000. Aujourd'hui, on a une super belle surprise. On est avec Julia Pereira, qui est championne de France, championne d'Europe, junior, c'est ça, championne championne du monde junior en équipe. Alors, est-ce que tu peux me présenter un peu ton palmarès? Parce que, alors, je sais que tu es en Coupe du Monde, tu es en train de battre plein de records. Est-ce que tu peux me présenter tout ça? Oui, alors j'ai commencé le snowboard quand j'avais 9 ans, donc j'étais sur le parcours Kids et j'ai remporté 17 titres de championne de France. Après, quand je suis rentrée au plus haut niveau, j'ai commencé à faire des Coupes d'Europe. Au début, c'était pas trop ça, je commençais à faire 23e, je me suis dit bon, ça va être comme ça toute la saison. Et plus la saison avançait, plus les résultats étaient bons et plus les résultats étaient surprenants et je finis par gagner le classement Coupe d'Europe à la fin de la saison. Et du coup, grâce à ces résultats durant la saison, j'ai participé au championnat du monde junior où je ramène une médaille de bronze en individuel. Wow. Et une médaille d'or en équipe avec ma copine Manon Petit-Lenoir qui est avec moi en équipe de France, qui est dans mon groupe. Et après, j'ai participé à 3 Coupes du Monde à la fin de la saison. La première Coupe du Monde, je finis 19e. Ouais. La deuxième, je finis 13e. Et la troisième, je finis 7e. Et du coup, avec tous ces résultats auxquels je ne m'attendais pas du tout, ils m'ont fait rentrer en Coupe du Monde. Et maintenant, je suis partie pour... C'est parti. Pour une petite carrière, enfin une longue carrière, j'espère. T'es d'ici, t'es isolienne. Oui, je suis isolienne. J'ai toujours grandi ici depuis que j'ai 2 ans. J'ai commencé par le ski. Après, je me suis orientée vers le snowboard quand j'avais 9 ans. Alors, comment tu t'es orientée vers le snowboard? Quand j'avais 2 ans, j'ai commencé le ski. J'étais au club ESF. Après, à mes 9 ans, j'ai fait un test au club des sports. Ouais. Quand j'étais petite, ça m'avait vraiment vexée. Et du coup, je m'étais échappée du cours de ski. Et j'étais allée voir ma mère en pleurant, en lui disant « Maman, je veux faire du snowboard !» Et sur un coup de tête comme ça, et je crois que j'ai bien fait. Écoute, j'aimerais faire peut-être pas toute une course complète, mais je te mets au défi de faire un parcours de border cross toutes les deux. Pas trop. T'es d'accord? Nous sommes au départ du border. Julia a pris place au deuxième portillon en partant de la droite. Et Cécile, tant bien que mal, se positionne. J'ai toujours rêvé d'avoir des jolies femmes à mes pieds. Qui tombent à tes pieds. Bon, Julia, elle est déjà en bas. Julia a pris la tête, ça vous étonne?